votre société avec tous les services, donc le service de caisse, la comptabilité pour la gestion du store, la gestion de la compta, donc il y a les comptes du chat ou ADA configurés dessus. 7 millions, on peut avoir une maison. Vous facilitez également l'acquisition de terrain ou bien juste la construction de la maison? Le micro, à un moment, ça part. Hein. Donc, pour l'instant, nous ne facilitons pas l'acquisition de terrain. Puis, en combien de temps vous construisez la maison? Si aujourd'hui, je viens vers vous, j'emmène l'argent comptant, au fait, j'emmène l'argent qu'il faut, en combien de temps je peux avoir les clés de ma maison? Oh, je dis bien le maximum, c'est 4 mois. 4 mois? 4 mois, c'est le maximum. Pour combien de pièces? Une maison de combien de pièces? Tout dépend de la taille. Même si on prend un T3, 3 pièces, 4 pièces, peu importe la taille. Maximum pour nous, un plein pied, c'est 4 mois. Ok. Vous connaissez la jacinthe? Oui. C'est une plante qui pousse dans l'eau. Et cette plante pollue l'environnement en quoi? Pollue l'eau, l'environnement aquatique en quoi? Oui, la jacinthe pollue l'environnement justement parce qu'elle aspire l'oxygène dans l'eau. Ce qui renvoie ainsi moins d'oxygène aux poissons. Ce qui cause parfois la mort naturelle des poissons. Outre le côté envahisseur de la jacinthe, il y a son côté merveilleux. Parce que la jacinthe d'eau, une fois transformée en absorbant, peut absorber plus de 17 fois son poids. Donc, en ce sens, elle est capable d'absorber toutes sortes d'huiles. Donc, tous les déversements qu'il y a dans les eaux, par exemple, dès que la jacinthe d'eau est transformée en fibre ou en poudre, dès qu'on la pose dans une étendue ou peu importe le lieu où vous la posez, elle absorbe 17 fois son poids.